Also ich bin an die Konferenz gekommen, weil mich das Thema Sponsoring in der Uhrenbranche sehr interessiert. Ich bin vom, aus der Sportbranche beim HC Davos Spengler Cup und der Uhrenpartner sind im Schweizer Eishockey und international sicher interessante Partner und wir können ihnen auch attraktive Plattformen bieten. Und ja, darum wollte ich ein bisschen mehr erfahren über die Uhrenbranche in der Schweiz. D'abord parce que le sujet m'intéresse et puis que fondamentalement pouvoir échanger des idées, des concepts et puis aussi certaines vues sur ces activités que sont le sponsoring est toujours intéressant pour nous, sachant qu'on repère de l'industrie, c'est toujours important d'échanger. Ja, es war interessant zu sehen, wie unterschiedlich die verschiedenen Uhrenmarken auch im Bereich Sponsoring tätig sind. Ja, die Zahlen waren interessant, wie sich das Ganze entwickelt und sicher für uns jetzt im Eishockey ist eine Sportart, die nicht sehr viele Uhrenmarken auf der Sponsoring-Strategie haben und darum ist es für uns wichtig zu sehen, worauf die Sponsoren, die Uhrenmarken auch Wert legen. Das sind so die Erkenntnisse von heute her. Alors j'ai le plaisir de connaître Sponsorize à travers différentes activités qu'on a réalisées ensemble en tant que client et agence. L'invitation du Cercle Suisse de Sponsoring a présenté un sujet intéressant pour nous. On a l'occasion de beaucoup travailler sur le sponsoring sans forcément avoir le temps de confronter nos points de vue avec différents acteurs du marché, d'autres industries également. Donc c'est une expérience très intéressante. Voilà. Alors l'événement ici est suffisamment important puisqu'on parle d'abord d'horlogerie, puisque je suis dans l'horlogerie, je suis pas horloger, mais on est dans l'horlogerie. Deuxièmement, on est dans le fief de l'horlogerie, un des fiefs de l'horlogerie suisse, donc quand on m'a proposé de venir à cet événement, j'ai été très content. D'autre part, le marketing dans l'horlogerie, dans l'horlogerie, on a tendance souvent à être des suiveurs, c'est-à-dire à faire les choses après les autres métiers. Et je pense que c'était intéressant de confronter aussi avec d'autres métiers, parce que je crois que d'autres marques et d'autres métiers ont beaucoup de choses à nous montrer. Et donc, c'est la raison pour laquelle j'ai accepté de participer, parce que chaque jour, je pense qu'on peut apprendre quelque chose de quelqu'un, d'une marque ou d'une personne. Puis, si j'ai l'occasion un jour dans ma vie d'apprendre quelque chose quand je me lève le matin, je suis toujours très content. Donc voilà, c'est la raison pour laquelle je suis venu ici. Et puis, ce que je retiens de cette journée, en fait, de cet après-midi, finalement, c'est que tout le monde a le même objectif, en fait. Hein, pour finir, à travers le sponsoring, ce qui est délicat, c'est de savoir comment ça va évoluer, comment ça peut évoluer. Le sponsoring est de plus en plus destiné aux marques qui sont très, très riches, qui ont des budgets importants. Donc, il faut pour les petites marques, et c'est là que ça devient intéressant, en fait, il faut pour les petites marques avoir un peu plus de créativité, essayer d'avoir plus de créativité, en tout cas, et trouver des secteurs d'activité qui sont un peu différents de la tradition. Puis je crois qu'aujourd'hui, on l'a bien entendu. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est, je pense, le pendule qui est en train de repartir vers des choses un peu plus saines. On s'aperçoit que les jeunes générations s'intéressent beaucoup aux bienfaits qu'une marque peut apporter par ses événements ou par sa présence dans les événements aux bonnes œuvres ou à des activités un peu caritatives, parce que je pense qu'il ne faut pas les oublier. Je crois que la jeunesse aujourd'hui est très intéressée par ça. Et dans l'horlogerie, on a tendance à penser seulement aux consommateurs actuels, mais pas toujours au futur. Et je crois qu'aujourd'hui, ça fait prendre conscience un peu à tout le monde que les futurs clients, il fallait aussi y travailler, il fallait travailler avec eux, et il fallait aussi faire des choses pour eux. Et puis ça, je pense que c'était bien. Voilà. Ce que j'ai principalement retenu, c'est qu'il y a des domaines d'activité comme le sport ou le sponsoring, on va dire, surutilisés, et que pour toute marque qui cherche à émerger au milieu de cet océan d'activité, il apparaît important d'identifier des zones ou des activités dans lesquelles les valeurs de la marque ressortent et dans lesquelles on pourrait éventuellement être les premiers, en tout cas différents des autres. C'est une excellente opportunité de confronter différents points de vue, des benchmarks, clairement. C'est surtout aussi une très belle opportunité de networking pour les participants qui leur permettent de rencontrer des gens qui travaillent dans différentes industries, dans différents marchés et qui ont différentes façons de voir en fait quelles sont les meilleures pratiques à suivre pour atteindre les objectifs que s'est fixé le marketing.